Donc, deuxième séquence sur laquelle on va essayer de passer à la dimension territoriale, à la fois sur la pratique à laquelle nous sommes invités en tant qu'aménageurs et avec les témoignages que nous sollicitons et qui seront forcément liés au territoire, à la fois de Guy Potin, donc en tant qu'élu sur le territoire sur lequel nous sommes et qu'on a découvert hier à travers un certain nombre de visites. Donc Dan Berti, qui nous parlera à la fois de son point de vue de responsable de service d'une collectivité et de cette collectivité Nantes, et Sylvie Ferraud, en tant qu'aménageur et aussi en tant que Montpellier-Rennes, chaque territoire ayant à la fois des caractéristiques communes et des spécificités. Avant peut-être de leur passer la parole, je voudrais très très rapidement donner la parole d'une certaine manière à ceux qui ont contribué à ce groupe de travail et qui n'ont pas pu être devant vous. Il fallait effectivement structurer les propos, mais je voudrais quand même retracer très 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 rapidement ce qu'on a entendu dans ce groupe de travail et qui a extrêmement enrichi la réflexion qui de nouveau est consignée dans les rapports qui vous sont remis ou dans le rapport complémentaire établi par Didier Vanoni. Premièrement, Jean disait, la question qui se posait à l'origine, c'est quelle est la légitimité de l'intervention des aménageurs ou de la prise en charge par des aménageurs de cette question de la précarité. Je crois qu'on a déjà beaucoup répondu. Je voudrais juste rajouter un point qui est commun à l'ensemble des interventions, à l'ensemble des personnes qui sont venues travailler avec nous dans les différents ateliers, les différents, dans ce groupe de travail, c'est qu'on tous concluaient en disant on a besoin de vous pour gagner en visibilité, fabriquer du lien, connaissez-nous, utilisez-nous, travaillons ensemble. Donc ça, c'est, je crois, la réponse la plus définitive, la plus ferme qui soit à cette question de quelle légitimité, c'est les intervenants qu'on a pu rencontrer nous demandent d'une certaine manière de les inclure dans le cercle de travail qui est classiquement le nôtre en tant qu'aménageur. Deuxième point, on a beaucoup, et on va encore, et c'est assez naturel, parler de la question de l'habitat, du logement, et on voit que cette dimension de l'habitat, elle est extrêmement prégnante dans la logique d'inclusion dans la ville, de fabriquer la ville incluante. Elle est probablement première, mais on a déjà eu l'occasion de le dire, et les derniers propos de Gilles insistent sur cette dimension-là, sur la dimension soft, et sur toute une autre série de dimensions qui doivent être prises en compte et qui nous interpellent très clairement. On ne va pas revenir sur ce que disait Martin Hirsch sur la place des activités économiques dans la ville et des activités économiques incluante dans la ville incluante, mais c'est évidemment une dimension qui est importante. La place des espaces publics, on en a aussi beaucoup parlé. Je pense qu'il y a une dimension extrêmement importante qui est celle de l'accès à la parole, peut-être avant même l'accès au droit, d'une certaine manière. Et là, je voudrais citer un témoignage qu'on a reçu pendant ce travail, qui est une présentation que nous a fait Patrick Bouchain sur les conditions dans lesquelles à la fois une équipe de conception de projet se met directement dans un territoire au contact des futurs habitants et les conditions dans lesquelles il y a une vraie coproduction des logements entre les habitants, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Bon, c'est un témoignage qui portait sur une opération qui est réalisée à Boulogne. Je peux par ailleurs témoigner d'une opération de même nature qui est réalisée à Roubaix-Tourcoing sur l'Union et dans les mêmes conditions. Et je crois qu'on trouve des choses, des témoignages sur Internet, puisqu'il y a systématiquement des captations faites de ces travaux-là. Je crois que c'est important d'aller s'y reporter. Autre élément très important, c'est la multiplicité des acteurs. Là aussi, je vais y passer très rapidement parce que je pense que les témoignages que nous allons entendre vont confirmer ce point-là. Néanmoins, je voudrais mettre un focus quand même rapide, mais en insistant beaucoup sur la très grande présence dans ces questions d'inclusion et notamment par l'habitat des acteurs du logement social. On a peut-être le sentiment que nous connaissons les bailleurs sociaux parce que nous leur vendons des charges foncières pour réaliser du plus. On a eu l'occasion de mesurer qu'il y a un vrai savoir-faire qui est décliné sur une palette beaucoup plus large
que nous ignorons le plus souvent et que nous n'essayons pas de mettre en scène dans nos opérations spontanément en tant qu'aménageurs, lorsqu'il n'y a pas des collectivités, des politiques qui nous incitent à le faire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on entende. Et je voulais en profiter pour remercier Jean-Nica, Juliette Furet, l'Union sociale pour l'habitat, de leur contribution, et si je ne sais pas s'ils sont présents à proximité, mais ils auront l'occasion d'intervenir dans le débat pour pouvoir confirmer ce point de vue. Et l'autre aspect important, et d'ailleurs très lié au premier, c'est la place du monde associatif. On s'aperçoit que s'il y a multiplicité d'acteurs, que beaucoup ont un élément de savoir-faire, généralement, ces éléments, pour que ça fonctionne, doivent être chaînés, et que dans ce chaînage des interventions, et notamment du logement pour les plus défavorisés, la place de l'associatif est absolument fondamentale, et c'est un point qu'il faut garder très présent à l'esprit. Je vais passer très rapidement sur la question des défis qui nous sont lancés à nous aménageurs à travers tout ce groupe de travail, parce que je pense qu'on y reviendra, et notamment Nicolas Terrassier y reviendra dans les propositions qui sont un peu la réponse que nous vous proposons à ces défis qui nous sont lancés, et en venir à, je dirais, aux témoignages que nous avons sollicités, notamment de la part, pour commencer, de Guy Potin, je dirais à tout seigneur, tout honneur, à la fois parce que, évidemment, nous avons le plus grand respect des fonctions électives, c'est dans les gènes de l'aménageur, mais aussi parce qu'on a le sentiment que, sur le point de vue de l'inclusion, de la ville pour tous, pour faire dire des choses de manière relativement simple, Rennes apparaît comme, je ne sais pas si on doit dire un modèle, un laboratoire, mais qu'en tout état de cause, il y a une dimension qui est très fortement prise en compte, et ça depuis longtemps et de manière très globale. Alors, est-ce qu'on a raison de parler de l'exemple rennais ? En posant la question, je vous suggère la réponse, mais dites-nous-en un peu plus justement sur cette démarche ou cette préoccupation et la façon dont elle est prise en compte et traitée. Merci, bonjour à tous. Vous posiez dans vos premiers points la question de la légitimité à agir de l'aménageur, des opérateurs. Moi, je dirais, bon, je vais parler essentiellement de la politique de l'habitat, mais je dirais que la politique de l'habitat n'est pas une fin en soi, pas plus que celle de l'aménagement ou des transports. Ce ne sont que des outils, des processus, des moyens au service d'un projet politique, d'un projet d'agglomération. Et dès lors, il n'y a plus à se poser la question de la légitimité à agir, mais plutôt d'inverser les facteurs et de dire on est dans le devoir d'agir. Hein. Le projet, quel projet d'agglomération pour le présent, mais pour les 50 ans à venir, en fonction des tendances naturelles et des volontés politiques de faire évoluer l'agglomération. Et je rejoins des propos qui étaient tenus tout à l'heure, entre ville attirante et ville excluante. Plus une ville est attirante, dynamique, plus on veut la rendre attractive, plus elle risque de devenir excluante. Et donc, c'est bien de cette volonté d'avoir une agglomération en développement, c'est-à-dire dynamique, mais qui soit aussi accueillante et solidaire, que découle ce que moi j'appelle toujours une approche systémique de la politique de l'habitat. Et systémique parce que justement, elle commence très très en amont. C'est, si on veut mener une politique de l'habitat conséquente, il faut que dès la politique foncière, on inclue cette politique que dès l'aménagement... que l'aménagement soit pensé en fonction. Hein. Alors, pour éclairer, si on dit effectivement qu'on veut être solidaire et qu'on veut faire le logement pour les gens à qui ils sont destinés en fonction de leur capacité contributive, on en arrive à définir des loyers, à définir des prix de vente, donc en remontant la chaîne, à dire combien il faut produire et pour quelle population, et à partir de là, comment il faut organiser la répartition spatiale territorial, mais aussi dans les AC,
Hein, et quand on dit qu'il y aura dans toutes les zones d'aménagement et dans toutes les opérations d'aménagement 50% de logements sociaux, dont 25% de logements locatifs sociaux, dont 30% de PLAI, hein, d'insertion, et que non seulement on dit que ces logements seront des logements sociaux, mais que ce seront des logements sociaux dont on prendra en compte dès l'origine la fonction future, c'est-à-dire en se préoccupant de leur caractère environnemental et durable. Donc il faut qu'ils soient d'une excellente qualité, mais aussi qu'ils soient accessibles aux personnes à qui elles sont destinées, et c'est-à-dire que pas forcément louées au loyer admissible administrativement, mais au loyer possible pour les gens à qui ils sont destinés. Alors ça veut dire, et on revient au propos de Martin Hirscherrière, c'est de dire, alors, qui a-t-on à loger, hein, et quand on dit qui a-t-on à loger, c'est, y compris, pour un propos de tout à l'heure, les classes moyennes, mais qui a-t-on à loger, que produit spontanément le marché, que ne produit pas le marché, que faut-il faire pour mettre en œuvre les produits nécessaires et au prix ou au loyer aux gens à qui ils sont destinés. Et donc après, c'est découler l'ensemble de la chaîne de production, mais de l'amont à l'aval, hein, sur cette problématique-là. Et c'est aussi systémique parce que on part bien effectivement de la connaissance de la demande, et de la connaissance de la demande, si on est sur le logement locatif social, c'est pas il faut des logements sociaux, c'est que faut-il comme logements sociaux en termes de logement familial, en termes d'hébergement, en termes d'accueil d'urgence, en termes de logement pour les gens du voyage, en termes de logement, et toujours en ayant le souci d'être systémique. Et pour reprendre un propos de Jean Frébeau tout à l'heure, de ne pas être dans une approche à grosse maille, mais à petite maille. C'est-à-dire considérer que tous les segments de marché contribuent au fonctionnement du marché. Et que dans un marché global qui ne fonctionne pas, ce sont toujours ceux qui sont en bout de chaîne qui sont les plus pénalisés. Et donc on est bien dans ces effets. Et donc, très souvent, quand on parle de précarité, on parle effectivement des plus défavorisés, ou on se focalise sur les plus défavorisés. Mais dans les analyses que l'on peut faire d'une politique de l'habitat sur un territoire, on peut voir, par exemple, que les jeunes actifs avec enfants, si l'on y prend garde, dans une ville attrayante et dans une agglomération attrayante, sont centrifugés. Hein, alors, on peut s'en satisfaire ou on peut essayer de lutter contre. Et donc, si on prend la politique en matière de logement, il y a la politique locative, mais il y a aussi la politique d'accession à la propriété. Et dans la politique d'accession à la propriété, on repart du même principe. Qui sont les personnes qui ne trouvent pas la réponse adéquate sur le territoire par la production naturelle? Quelles sont leurs capacités contributives? Et on mesure les écarts. Et comment réduire ces écarts? Et donc, on ne dit pas on va produire du logement, on dit on va produire du logement pour les personnes ayant des revenus de 2100 euros par mois, qui sont deux personnes avec un enfant que l'on veut retenir et qui actuellement partent, et ainsi de suite. Et on se dit aussi qu'on est une ville où il y a du mouvement, parce qu'il y a de la formation, il y a des grandes écoles et autres, et qu'il y a des gens qui arrivent sur une agglomération qui n'ont pas pas la volonté tout de suite d'accéder à la propriété, et il faut une production locative intermédiaire qui soit à un prix attractif. C'est observation, mesurer les écarts, mettre en œuvre l'ensemble du système qui permet de produire les produits, alors les produits logement en termes physiques et les produits logement en termes, encore une fois, de loyer, de prix, pour donner une véritable réponse, alors avec un choix qui est celui de Rennes Métropole, c'est que cette possibilité ne soit pas spatialisée, hein, c'est que sur tous les territoires, chacun, selon ses possibilités, puisse trouver une réponse la meilleure possible entre ses volontés et ses possibilités contributives. Ça fait une approche, je dirais presque triplement systémique, pour reprendre ce mot, c'est à la fois
la chaîne de l'ensemble des préoccupations et de l'ensemble des compétences de la collectivité, si je vous entends bien, c'est-à-dire partir de la programmation, de la maîtrise foncière, jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle avec un ensemble d'acteurs, donc organiser ce système-là. C'est systémique aussi dans la mesure où ce que vous dites, c'est qu'il faut connaître l'ensemble des segments et les articuler les uns avec les autres. Et puis c'est systémique aussi parce que vous avez une organisation territoriale qui, elle, est un système complexe avec un mode de gouvernance, j'imagine, qui n'a pas de raison particulière d'être plus simple ici qu'ailleurs. Vous pouvez confirmer ou contredire, et qui nécessite là aussi que cette approche soit prise en compte de façon extrêmement équilibrée entre l'ensemble des morceaux, des composantes du territoire de la métropole rennaise. Vous confirmez ? Oui, oui, bien sûr. Alors, elle est systémique et elle est systématique dans le sens où elle est négociée avec l'ensemble des partenaires. Dans ce genre d'exercice, on est obligé d'aller très, très vite. Mais cette conception est toujours partenariale avec l'ensemble des opérateurs. Quand on est dans le logement, avec bien évidemment les opérateurs du logement social, mais avec les associations qui sont sur l'insertion. Et l'organisation territoriale est systémique aussi, parce que cette globalité, si on reprend le service Habitat de Rennes Métropole, il est responsable de la gestion de l'urgence au quotidien, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un aujourd'hui a besoin d'un logement, comment on fait, comment on organise, de l'organisation de l'enregistrement de la demande, de rapprochement de l'offre et de la demande, de la programmation, de la gestion, enfin, de comment se fait la gestion de proximité, de la réflexion, parce que c'est un biais dans lequel on tombe facilement et on vient d'y tomber. Quand on parle de politique de l'habitat et d'aménagement, on parle beaucoup de la production neuve. Or, l'essentiel se fait sur le stock. Excusez-moi ce mauvais mot, mais c'est sur... Et donc, la politique d'entretien en continu du patrimoine, de sa mise aux normes énergétiques, non pas pour être dans les normes, mais parce que ça va amener des économies de charges, le maintien de l'attractivité du parc le plus ancien. Quand vous produisez de façon massive du parc neuf de haute qualité, vous risquez de mettre en péril le parc le plus ancien qui se trouve un peu péjoré. Et donc il est absolument de la plus grande importance de maintenir ce parc. Et donc le service qui a la vue globale, ça nous a amené, par exemple, c'est toujours la finalité qui nous donne les moyens d'agir. Quand on est dans la politique de renouvellement urbain et qu'on nous dit pour régler le problème de la mixité, il faut surtout démolir les tours et les bars, nous, on regarde les tours et les bars, elles sont occupées, elles n'ont aucun lieu de vacances. On regarde les gens qui habitent ces logements, et si on casse ces logements et qu'on en produit des nouveaux, ils n'auront pas assez nouveaux parce qu'ils n'auront pas les revenus pour y aller. Et donc, on traite de ce maintien de la mixité dans des quartiers qui ont été pensés mixtes au départ, mais du fait de la volatilité des classes moyennes, ils sont de moins en moins mixtes, en se disant, on ne va pas traiter de la mixité par la démolition, mais par la densification, par l'apport de nouvelles constructions avec des nouveaux statuts, par l'apport d'activités, par l'apport de... Et à chaque fois, on est bien sûr, quand on met une politique, c'est pas la politique qui est inscrite dans le marbre, c'est l'ambition de cette politique. Et donc, si l'ambition pour y arriver, c'est surtout de ne pas démolir, même si l'ANRU nous enjoint de démolir, on lui dit non, excusez-nous, c'est pas ce qu'on va faire. Enfin, ce mot sur l'ambition de la politique compte plus que et la politique et les moyens de cette politique est effectivement quelque chose qui me paraît extrêmement frappant. Autre exemple qu'on avait évoqué en échangeant et puis sur lequel on a pu revenir lors de la visite tout à fait éclairante demeurant sur ces questions-là qu'on a faites hier avec le groupe numéro 3, si ma mémoire est bonne. La question de l'organisation territoriale et la question des centres-bourgs, des villes en dehors de Rennes elle-même. Je crois qu'il y a là aussi un enjeu auquel
la métropole est confrontée avec cette nécessité d'urbanisation ou de réurbanisation. Quelle est la stratégie et comment ce système rennais trouve à s'appliquer sur ces nouveaux territoires d'enjeu, s'il est bien compris? Alors, par rapport à nos visites d'hier, on était sur un quartier de Rennes à très faible quotité de logement social, hein, donc avec une volonté très claire d'amener, de donner accès à ces quartiers à l'ensemble de la population. Et donc, si on prend des procédures très très anciennes, avant même que ce ne soit inscrit dans la loi et dans le cadre du PLU, il avait été institué des servitudes de mixité sociale, la mixité sociale étant sur certains terrains 100% de logements sociaux hein, quand ils venaient à muter, et donc amener de la diversité, mais encore une fois, cette diversité, ce n'est pas seulement le logement social, y compris dans ces quartiers, c'est l'accession sociale. Si on vient sur les communes extérieures à la ville-centre, je parlais tout à l'heure du problème de renouvellement urbain. C'est vrai que pour les années à venir, je pense qu'une des problématiques qui va se poser, c'est le renouvellement des centres des communes avec un marché immobilier qui n'est pas forcément capable d'absorber des coûts de prix de vente d'opérations permettant d'amortir ces surcoûts liés au renouvellement urbain. Et je pense qu'on a à agir là exactement comme je le disais sur la finalité, c'est-à-dire que l'important, c'est effectivement de redonner vie au projet de ces centres et de ne pas se dire que l'équilibre économique est le moteur du renouvellement urbain et que puisqu'il y a renouvellement humain, reconstruction de la ville sur elle-même, il faut aussi que des opérations publiques et pour les publics les plus éloignés de cette solvabilité soient mises en œuvre. Et donc, très souvent, ces centres de bourg des communes de Rennes Métropole se sont développés, à part le noyau le plus dur, sur de la maison individuelle, sur des grands terrains. Il y a effectivement là une politique d'anticipation foncière à nouveau à remettre en œuvre. Hein, et on reboucle avec... Toujours recommencer. Mais dès l'origine, la pensée dans le sens général du propos. Et donc... de dire qu'effectivement, il y a des coûts, mais c'est les coûts de l'aménagement à venir. Une petite question au passage, là. Quand à Rennes, vous construisez des programmes de logements sociaux, je dirais très sociaux, hein, des résidences sociales, des centres d'hébergement qu'on a vus dans des actes, est-ce que vous avez des réactions des riverains comme celles qu'évoquait Alain Régnier dans la vidéo et s'il y en a, comment vous les surmontez? Il y en a, comme partout. On a récemment... transformer des anciens bureaux de la caisse d'allocation familiale en résidence d'accueil pour SDF. Il y a eu des réactions du quartier, il y a eu négociation, il y a eu concertation, et maintenant ça se passe assez bien. Par contre, il y a des programmes de logements locatifs sociaux, sans être de l'hébergement, qui ont suscité des procès, et qui sont... On passait devant un terrain hier, je disais, voilà, il y a 14 ans que le premier permis de construire a été obtenu sur ce terrain-là, et il est toujours... il est toujours pas construit. Donc, il y a des réactions. Je pense qu'on n'est pas quand même une terre où cette réaction est la plus exacerbée, parce que justement... Alors, je sais que c'est un peu la tarte à la crème, hein, mais moi, j'aime bien la tarte à la crème. La mixité existe, hein, et qu'on essaie de l'organiser. Ça fait un peu ringard aujourd'hui de dire ça. Mais dans, justement, tout, que ce soit le renouvellement urbain, l'aménagement, on essaie d'organiser cette mixité. Et cette mixité, c'est de la mixité sociale, c'est de la mixité générationnelle, c'est de la mixité des statuts, c'est de la mixité des fonctions. C'est-à-dire,
les équipements, l'activité. Et donc à chaque fois qu'on est amené à réintervenir ou à intervenir, on est toujours dans cette approche-là. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y avait même des opérations plutôt luxueuses et qui elles-mêmes faisaient l'objet de recours. Donc finalement, ça n'est pas uniquement le refus des populations les plus précaires qui sont susceptibles de susciter l'ire de vos administrés. Ça peut être la perte de la vue directe sur la cathédrale. Par exemple. Juste une question, parce qu'on voit bien que ce modèle extrêmement engagé de la métropole se traduit dans la mobilisation de moyens et que je retenais la formule sur les centres-bourgs. Comme de toute façon, ça a coûté cher, autant faire une politique et qu'effectivement l'ensemble de cette stratégie de la métropole puisse se décliner également sur cet enjeu à venir de l'urbanisation. Mais voilà, la crise... On lâchait le mot. Donc les circonstances économiques présentes, comment vous vivez cette période-là au regard de cette habitude de très forte implication et de forte mobilisation des moyens? Est-ce que c'est aussi facile aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui? Alors, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier. Hein. Il y a eu tout un tas de désengagements. Hein. Je ne parlerai pas du désengagement de l'État... entre le début du PLH et son actualité récente, voire à venir. Donc, il y a un désengagement. Mais je pense qu'il faut effectivement, là aussi, inverser les facteurs. Cette politique est constitutive du projet d'agglomération. Elle l'imprègne, elle en est imprégnée. Et c'est un moyen de ce projet d'agglomération. Ce n'est pas une charge qu'il se donne. C'est un investissement qu'il fait. Et donc, c'est un élément de ce dynamisme et de la qualité de vie et de la qualité de... Et donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison. C'est depuis des décennies que c'est comme ça sur le territoire de Rennes et maintenant de Rennes Métropole. Cette politique est considérée comme une politique prépondérante. Alors, justement, on va peut-être passer à... Je ne sais pas si on reste en Bretagne ou pas, je ne vais pas me risquer sur ce débat. Il est extrêmement dangereux. Je ne l'arbitrerai pas parce que voilà. Je ne suis pas native de Nantes. Voilà, donc, déjà, donc je suis neutre sur ce débat. Je savais que ça pouvait réagir rapidement. Néanmoins, le territoire voisin ou peu à proche distance de Nantes. À la fois des éléments, me semble-t-il, assez similaires dans l'ambition et une histoire, je crois qu'il y a une très forte antériorité de Rennes sur ces préoccupations-là, une histoire qui est plus neuve de la métropole nantaise sur cette question-là. Voilà, quel est votre témoignage à la fois parlant de la métropole nantaise et puis du point de vue de la déclinaison opérationnelle de vos fonctions qui sont comment, effectivement, cette... ambition politique peut se décliner, doit se décliner dans l'outillage opérationnel qu'est la responsabilité des services d'une collectivité. Quelques éléments quand même de compréhension. Je parle au nom d'une institution, justement, qui s'est inscrite dans un paysage intercommunal. À compter de 2001, puisque la Nantes Métropole, communauté urbaine, est devenue communauté urbaine à cette période-là, succédant à un district qui était relativement peu compétent, notamment en matière d'habitat et encore moins de développement urbain, mais dont le fer de lance était pour l'essentiel de développer les grands services urbains, comme par exemple ceux liés au déplacement et au transport en commun. Je voudrais donner aussi quelques repères préalables concernant la notion même de précarité, c'est-à-dire la précarité, comment se présente-t-elle sur le territoire de Nantes Métropole. Première chose, elle est très diffuse, même si pour l'essentiel, et c'est une raison historique que je vais exposer, elle est concentrée sur la ville-centre.
La précarité est très diffuse, elle est étalée sur l'ensemble des 24 communes de l'agglomération, mais son poids est extrêmement différent, puisque la ville-centre concentrant la majeure partie du parc HLM, mais aussi des logements anciens qui sont, pour l'essentiel, les lieux d'accueil de ces populations les plus précaires. Donc, tant qu'on avait une vision bornée, je dirais, quelque part, à la vision strictement communale, donc à l'addition de stratégies ou de politiques communales, cette précarité, elle avait quand même une très, très faible... on ne l'appréhendait pas dans toute sa dimension, dans toute sa diversité, et on s'appliquait à développer des politiques finalement très sectorielles, fortes, certes, mais éminemment sectorielles, et qu'il n'y avait absolument aucune prise de conscience de la nécessité de susciter la solidarité intercommunale. L'arrivée de la communauté urbaine en 2001, la construction des grandes politiques publiques intercommunales a eu cette vertu de susciter un projet politique basé sur la solidarité des territoires, c'est-à-dire des 24 communes. Et ça a été un des atouts de l'intercommunalité de construire en même temps sa politique de l'habitat, sa politique du développement urbain, dont la stratégie avancée a été quand même fondée sur la révision de l'ensemble des PLU, donc des plans locaux d'urbanisme, qui ont permis de tricoter ensemble cette double dimension de la politique de l'habitat et des règles du jeu pour inscrire dans les territoires et donc dans la règle, aussi bien que dans la capacité à faire, l'enjeu de ces politiques de l'habitat. Alors, dans nos grandes agglomérations, qui avons pris quand même un certain nombre de compétences en matière d'habitat, ça se traduit par une politique, un programme local de l'habitat, dont le cœur même est bien de se préoccuper d'offrir des solutions aux personnes, donc des solutions aux besoins, mais aussi à des demandes qui ne sont pas satisfaites directement par le marché. Alors, il est évident que c'est cette mission, cette vocation principale, elle est celle de notre politique de l'habitat. Mais quand on voit les problématiques de précarité de près, en face, la réponse politique, en tout cas sur Nantes Métropole, mais c'est aussi vrai que sur Rennes Métropole, a été d'apporter une réponse généraliste. Et je dirais qu'on construit bien évidemment beaucoup de logements dédiés, de structures spécialisées. On a promu dans un certain nombre de territoires des résidences sociales, etc. Mais l'enjeu de fond, c'était effectivement de pouvoir apporter une réponse à un ensemble de besoins, parce qu'on se trouvait, au moment où on a lancé le premier PLH, et donc le diagnostic qui l'a fondé, sur un double constat, quand même très interpellant pour les politiques, mais aussi pour notre agglomération. D'une part, en termes, je dirais, d'évolution sociodémographique, on avait une dynamique de développement très importante, et en même temps, un phénomène d'exclusion très fort par les marchés et par la configuration de l'agglomération. C'est-à-dire, en gros, on conservait les jeunes, on conservait les populations les plus précarisées, on conservait effectivement, parce que cela n'avait aucune capacité de mobilité sur le territoire, les populations qui n'avaient pas de solution pour être mobiles, et puis à l'inverse, des populations beaucoup plus isolées ou des populations des jeunes en formation, etc. Et toutes les familles étaient dans un phénomène d'évasion par rapport à l'agglomération. Donc ça, c'est un phénomène qui a été bien mis en évidence dans beaucoup d'agglomérations, mais c'était particulièrement accentué sur l'agglomération nantaise. Donc il fallait forcément prendre à bras le corps ce premier enjeu de renouveler la diversité et l'accueil. Deuxième chose aussi très importante, et j'en terminerai là, dans la présentation un petit peu générale. Le deuxième enjeu, c'était aussi le problème de la ségrégation
spatiale la sociologie, si vous voulez, spatiale, qui était inscrite au fil du temps par des politiques très diversifiées des communes. Donc on avait très clairement une des répartitions de population à des hauts revenus sur certaines communes et au contraire des populations très précarisées concentrées sur un certain nombre de ce secteur, effectivement plutôt centraux et coïncidant effectivement avec la géographie du parc social. Mais donc l'idée c'était effectivement d'essayer d'engager une politique, une stratégie de renouvellement de l'offre, d'accueil et répartis sur l'ensemble du territoire. D'où des politiques extrêmement volontaristes, assorties d'objectifs quand même relativement quantifiés, bien se dire, mais aussi de, je dirais pas de contractualisation, mais c'est à peu de choses près la démarche équivalente, de négociation avec l'ensemble des communes pour favoriser l'accueil de certains types de logements. D'une part pour le logement social, donc le diffuser partout, de manière, je dirais, presque massive, puisqu'on était en très grand déficit de logements sociaux. Deuxièmement, s'attacher aussi à trouver le maillon intermédiaire, proposer donc du logement accessible socialement en matière locative privée ou abordable en accession, pour effectivement faire revenir un certain nombre de populations qui désertaient l'agglomération et qui se trouvaient au fil du temps aussi confrontées à des problèmes de transport et donc de coûts de transport pour rejoindre l'agglomération qui est le centre quand même nerveux de l'emploi sur le bassin d'habitat de Nantes Métropole. Donc c'était ça le challenge. Comment Nantes Métropole, en termes d'outils, de leviers, a pris les moyens d'inscrire cette politique dans le territoire? Bon, je vous l'ai dit, c'était des contractualisations négociées avec les communes via le PLH. Deuxièmement, c'est essayer de faire feu de tout bois, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les outils qui étaient à notre disposition, nous allions les mettre ensemble et de manière coordonnée, c'est-à-dire l'intervention en matière foncière, donc une stratégie d'acquisition foncière plutôt ciblée sur les secteurs très porteurs de centralité, donc la révision des PLU qui inscrivaient les objectifs du PLH et en particulier du logement social dans les règles du jeu de la planification urbaine. Les secteurs de mixité sociale qui permettent de faire aussi du logement social dans tous les secteurs où il n'y en a pas ou pratiquement pas, et ça je dirais que c'est quand même quelque chose qui est fructueux en termes quantitatifs, en termes qualitatifs, et j'y viendrai tout à l'heure dans la deuxième partie de mon intervention, ça nous pose des interrogations, puisque en fabriquant du logement social dans les opérations de logement privé, d'une part, cela repose effectivement sur cette fameuse péréquation qui est parfois assez souvent dénoncée comme étant inflationniste par rapport au logement privé, au logement libre, mais il est quelque part aussi inflationniste sur le logement social. Parce qu'on fait du logement social finalement et qui n'est peut-être pas aussi accessible socialement qu'on voudrait bien le laisser entendre, sauf à y injecter effectivement beaucoup d'argent public pour que les loyers puissent être accessibles aux populations les plus modestes. Justement, je pense que ça serait important qu'on insiste sur cette dimension à la fois. Excusez-moi, je voulais aussi parler des derniers outils qui est très important pour Nantes Métropole et qui vous parlera sans doute pas mal. C'est s'appuyer aussi très très fortement sur des outils de développement urbain maîtrisés que sont les opérations d'aménagement, principalement sous la forme de ZAC. C'est vrai que sur l'agglomération nantaise, aujourd'hui, il y a une quarantaine de ZAC publics, plus toutes les opérations d'aménagement mixtes. Alors, la production de logements aujourd'hui en ZAC, c'est 40%.
Et c'est à peu près 30 à 35% de logements locatifs sociaux. C'est 80% de la production abordable, sachant qu'on a un objectif de production de logements abordables. Alors là, vraiment, au sens de l'accession sociale, hein, qui correspond à peu près à entre 500 et 800 logements par an. On n'y est pas tout à fait encore. Il y a encore un effort substantiel à faire sur ce point-là. Mais en logements sociaux, c'est 2000 logements aujourd'hui. On était à moins de 400 logements en 2004. Aujourd'hui, on a 2000 logements locatifs sociaux plus EPLI, dont un tiers de PLI au minimum. Pardon. Oui, donc il fallait que ce soit dit effectivement que les outils d'aménagement sont une composante forte de cette mise en œuvre pratico-pratique, de cette déclinaison. Vous aviez utilisé aussi le terme cheval de Troie par rapport au PLH, c'est la manière de rentrer à travers cette logique de la programmation globale sur l'ensemble des problématiques que Rennes maîtrise dans ce chaînage depuis très longtemps. Mais je voulais revenir sur ce qui nous avait frappé, c'est le travail d'observation très fine sur la fabrication du prix du logement, avec les effets positifs et parfois les effets pervers de cette association des programmes accessibles, locatifs, qu'ils soient locatifs ou en accession à coût maîtrisé, et de promotion libre, avec, on l'a senti dans le travail que nous avons fait ensemble, un très fort partenariat d'acteurs pour pouvoir partager des données et pouvoir les analyser ensemble, et des analyses un peu d'effets pervers et éventuellement d'effets correctifs. Alors, avec des interrogations qui ne sont peut-être pas totalement résolues. Voilà, je voulais que vous reveniez sur cet aspect-là et qui nous paraisse très éclairant sur une capacité à suivre les choses. Oui, c'est parce que nous avons une vision complète de la production du logement social notamment, mais aussi... et c'est probablement une spécificité locale qu'on peut partager avec d'autres agglomérations, mais qui est très avancée sur l'agglomération nantaise, et je pense que c'est une chance, à savoir un fonctionnement en interbailleur, un partenariat avec les 10 organismes de logement social qui est très très poussé, avec un dialogue permanent, je dirais, et une transparence affirmée, assumée, par les bailleurs sociaux vis-à-vis de la collectivité pour mettre, je dirais, les comptes sur la table. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on a pu, dès le départ, adosser notre système d'aide financière au logement social sur les équilibres d'opération. Et ça permet justement de rentrer très très finement dans l'analyse de la formation des coûts du logement social. Alors nous avons eu un certain nombre quand même de signaux d'alerte. Le premier signal d'alerte, c'était dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, conventionnées ou pas avec l'ANRU, dans lequel il y avait un dispositif extrêmement proactif et aussi très attentif à ménager des réponses adaptées pour les personnes qui devaient être relogées suite aux démolitions. Nous ne sommes pas comme à Rennes, nous avons pratiqué quand même des démolitions quand même avec une certaine envergure. Et là, très vite, alors qu'on avait mis en place des systèmes de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale très attentive à trouver l'adéquation entre le ménage précis, le ménage à reloger et ses besoins et ses localisations, quitte à ouvrir l'ensemble du patrimoine locatif social sur l'ensemble de l'agglomération. Et là, on s'est heurté à des problèmes d'impossibilité à accéder au logement neuf, alors que c'était un engagement que l'on avait pris politique dans la charte de relogement de pouvoir permettre cette trajectoire résidentielle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le logement social neuf s'établissait à des coûts devenus non accessibles aux personnes qui sont logées dans le parc locatif ancien. Donc on était en train de recréer avec ce parc neuf, hein, finalement, une nouvelle segmentation du parc social qui introduisait une nouvelle hiérarchie dans l'offre de logement, y compris alors que c'est labellisé logement social. Et donc on a pris les devants pour essayer de discuter avec les bailleurs sociaux sur le
pourquoi est-ce que cela ressort de façon aussi élevée? Pourquoi est-ce que c'est une stratégie patrimoniale? Est-ce que c'est une absence de fonds publics? Je sais, pourtant, si on en met, même si l'État en met moins, on compense en partie. On avait des conditions particulières de minoration du foncier, etc. etc. La conclusion, c'est que c'est un ensemble de facteurs qui contribuent au renchérissement du logement social, mais aussi que le logement social dans les opérations d'aménagement pouvait aussi se trouver confronté à des exigences qualitatives liées au haut niveau de qualité de traitement des espaces publics, mais aussi à des stratégies, disons, d'urbanisme, de conception urbaine. Quand, par exemple, on développe un programme qui propose une quantité de logements sociaux d'au moins 30 ou 40%, par exemple, comment distribue-t-on ce logement social dans l'opération d'aménagement? Comment est-ce que l'on attribue les lots à ces logements sociaux? Si c'est le premier, par exemple, la première opération qui démarre dans l'opération d'aménagement, il y a fort à parier qu'elle va être, on va lui attribuer un certain nombre de contraintes supplémentaires. On va éviter de tomber dans le piège, appauvrir la qualité urbaine pour loger les pauvres, hein, Ça provoque un petit peu, effectivement, mais surtout, je crois qu'il ne faut pas en venir là. Hein, c'est le grand risque, c'est de ne pas en venir là. Donc, on est actuellement à ce niveau de réflexion. On a poussé la réflexion et on a, par le biais de notre politique de l'habitat, si vous voulez, en tant qu'observateur de l'habitat, on a mis tout le monde autour de la table, les bailleurs, qui sont souvent dans un dialogue très fructueux et très, très ouvert, hein, pour trouver les bonnes solutions avec les aménageurs eux-mêmes, les services de la collectivité, qui, eux, sont aussi prescripteurs, n'oublions pas. Et parfois inflationnistes. Et certainement inflationnistes. Les aménageurs le savent bien, par des normes qui sont souvent très sectorielles et qui renchérissent effectivement les coûts. Et l'urbaniste aussi de l'aménageur, parce que quelquefois aussi, ce sont des acteurs qui peuvent porter une certaine vision, mais qui ont des conséquences très nettes. Et je voudrais terminer simplement sur un constat aussi, qu'il faut que l'on progresse, parce qu'il y a, en termes de transversalité, je constate qu'il y a aujourd'hui des vraies difficultés à travailler, à collaborer entre les organisations et à l'intérieur de ces organisations, entre les métiers. Je vais prendre un exemple très concret. Je l'ai constaté, par exemple, au niveau d'un bailleur social. On a fait monter de façon extrêmement forte dans notre système d'exploration des coûts la question des stationnements, des parkings. Ces stationnements, ils sont chers aujourd'hui à la fabrication. Ils sont rendus obligatoires par la règle des PLU. Ils peuvent avoir la commune peut aussi être amenée à surenchérir. Il y a des communes, par exemple, qui, au lieu d'un parking, en demandent deux. Des parkings en plus enterrés, parce qu'il ne faut rien laisser à la surface. Le bailleur social, il va dire « Ah non, moi je veux absolument des parkings boxés parce que finalement ça va être la pièce supplémentaire et puis parce qu'il y a des régions de sécurité, etc. » Le résultat, c'est que les opérations sont montées sur la base d'un coût du parking qui revient à peu près à 58 euros en moyenne par mois sur la facture du locataire, mais que ces parkings ne sont pas louer, puisque d'une part, il y a une règle de dissociation de la location entre le bail principal et la location du parking. Deuxièmement, qu'il y a une bonne partie des logements sociaux qu'on réalise même dans les actes, qui sont dans des actes de centralité. Donc les gens ont accès au transport en commun et n'ont pas de voiture. Et donc ces parkings restent vides. Donc perte d'exploitation, même avec des coûts. Il faut être plus imaginatif dans la conception. Sans pour autant renoncer à répondre aux besoins. Et je dirais que, quand je disais, pour terminer, le fabricant, le développeur du logement social dans un organisme HLM qui est en contact direct avec l'aménageur, avec la collectivité pour le financement, etc., ne discute pas toujours avec le gestionnaire locatif.
Donc, et c'est pareil au niveau de nos institutions. La difficulté que l'on a à discuter avec, d'un côté, les urbanistes, c'est pas trop mal chez nous, mais bon, c'est quand même pas toujours évident. La difficulté qu'on a à discuter avec nos collègues qui font qui sont développeurs urbains, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui les pilotes des actes devenus communautaires depuis 2010. La difficulté que l'on a aussi à travailler avec les services plus en contact avec le public qui occupe le logement social à terme. Donc tout ça fait que c'est quand même un peu compliqué, mais qu'il y a un besoin de transversalité absolument essentiel. Modestement, je peux considérer que quand on est à la place, quand on parle de l'aménageur, mais quand on parle aussi de l'habitat, on a un peu cette sensibilité multiforme. Mais la pluridisciplinarité, elle a un mal de chien à s'établir.